Donc voilà, re pour la partie 2. Donc je vais vous remontrer les précipitations. Voilà. Qui se calmeront, voilà, vers les Alpes, apparemment. Apparemment. Apparemment, voilà, ça arrivera par la Loire-Atlantique, voire peut-être le Sud-Bretagne. Je sais pas si ça va me toucher, je sais pas, j'ai pas encore regardé le modèle. Apparemment, ça se décalera, voilà, ici, sur le sud, sur le départ, le sud-est, le sud du département de l'Orne. Ça frôlera l'Eure, apparemment. Ça touchera l'Eure et Loire également, et de nouvelles averses se préparent à l'arrière. Vers 9h, on ne parle plus d'averse, vous voyez. Alors, ici, voilà, vers 8h, ils passeront sur le sud de l'Eure, l'île de France, tout ça. Vers 10h, ça commencera à se combler, vous voyez, avec une averse ici sur l'Ille-et-Vilaine qui frôlera la Manche, le sud, enfin, c'est vraiment vers le Mont-Saint-Michel, ces averses. Ça commencera également à remonter par la Loire-Atlantique de nouvelles grosses averses. Sur les Pyrénées aussi, ça commencera à se former. Voilà. Et vers 13h, il n'y a plus rien. Donc on va... Vraiment plus grand-chose. Ah si, vers 15h, ça commencera à se former. Vers Strasbourg, vers le Massif central également. Ici, sur l'Espagne aussi, apparemment. Vers 17h, apparemment, les nouveaux violents orages vont nous engloutir. Enfin, pas de moi, parce que voilà. Mais apparemment, également, nous aurons des averses très puissantes ici. Surtout ici, principalement, voilà, dans sous ce système d'orage. Ici également, quelques averses. Ici aussi, mais des moins fortes. Voilà. Ici également, nous aurons des averses. Voilà, donc ça, c'est une partie de la France, hein. Donc voilà, le confin de la France. Vers 19h, après... Ouah, ça s'annonce costaud demain. Oh on a dit demain, à mon avis, ils vont quand même avoir... Ils vont morfler, on voit l'œil. Hein. Quand ça... En fait, ça tourne dans l'inverse des aiguilles d'une montre. Juste à gauche du point rouge, on voit un œil, un trou. Juste... Voilà, on voit vraiment un œil. Ici, on voit sur le massif central. Alors, à mon avis, sur Lyon, ça va claquer. Hein. Ici, voilà un peu partout des averses. Ah, ça me saoule, ça marche jamais. Voyez, vers 20h. Voilà, donc après avoir regardé le vent, voilà, rafale. À max échelle, voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Voilà, on va regarder jusqu'à... Ah, ça bug, ça veut dire. Voilà, jusqu'à 22h ce soir. Ici, on voit en Espagne, mais voilà. Voilà, on voit ici très bien les orages. Assez costaud, voilà. Ici également, apparemment, nous avons des rafales assez costauds quand même en Basse-Normandie. Dans le nord du département, le nord-ouest de l'Orne, apparemment. Ici également, nous avons des rafales qui pourraient, attendez, je vais regarder, qui pourraient atteindre les 120 à 130 sous les orages. Voilà. Vers 2h du matin, on voit que les orages commencent
Alors, je vais vous montrer, je vais essayer. On voit que les orages commenceront à remonter sur la France. Voilà. Alors, on voit que ça continuera de remonter sur la France. Voilà. Et voilà. Alors, on va regarder ce que. On va regarder accumulation de précipitations. D'ici demain soir. Il y a apparemment pas grand chose à signaler. D'ici 18h, des fortes précipitations. Hier, deuxième point vert, ça fait quand même 10 à 20 mm. À 22h, il y aura quand même déjà des bons cumuls. Avec déjà 20 bons millimètres, je dirais. D'ici 1h du matin, bah, pas grand-chose à signaler, hein. Voilà. À 6h, alors on voit très bien qu'ici une perturbation se dessine entre l'Espagne, le golfe de Gascogne et le Pays de Loire, Bretagne. On voit très bien comme un enroulement. Bon, c'est pas une tempête, hein. Je vous rassure quand même, c'est pas une grosse tempête, hein, carrément. Vers 10h, voilà, vous voyez qu'ici ça pleut, ça va pleuvoir hein, apparemment. D'après les services hein, météorologiques, ça va vraiment pleuvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, d'ici 17h demain, voilà. Voyez, ici on voit déjà qu'ici en Espagne, il y aura 20 à 30 mm hein, ici, ce qui est remarquable. Peut-être même jusqu'à 40 mm localement. D'ici demain 18h, voilà, ça. Ici, on aura 10 à 20, non, 20 à 30 mm de précipitation, donc de pluie ou de grêle, je sais pas. Ici, 20h demain, ici, on annonce des pluies records, donc de 40 à 50 mm hein, dans cette poche, et ce n'est que le début, car. Mince, attendez. Ah bah, ça marche pas. Bon bah, tant pis. Bah, on voit qu'ici, c'est une longue ligne. Bon, c'est un peu ligne. Hein. Ça se voit direct que c'est imagé, mais voilà. Donc, c'est quand même. Ici, on annonce aussi des bonnes précipitations. Ici. Alors, ici, vers la. C'est la Sarthe, il me semble. Non, c'est plutôt. Je sais pas où c'est. Non, ça doit être la Sarthe, je sais pas. Voilà. Donc, apparemment. Donc on va regarder autre chose. Donc on va regarder quoi d'autre? Bah c'est tout. On va regarder la couche de nébulosité. On va essayer de voir les nuages. S'il y a beaucoup de nuages. Hein. Actuellement dehors c'est ni couvert ni ensoleillé. Ouais c'est un petit peu ensoleillé. Non c'est pas ça, j'aime pas ça. C'est pas ça, c'est. Ça doit être ça, je pense. Je préfère ça parce que c'est. J'aime mieux. Ah non, non, c'est pas nébulosité, c'est couche nébulosité. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on va regarder. À 14h, on voit très bien ici les cumulonimbus se former. Ici déjà. Ici aussi également. Ici également, ici par là. Ici c'est une perturbation plutôt. Plutôt ici par là, c'est une perturbation, tout ça, voilà. Alors je vais vous montrer tout de suite vers 19h. Ici on aura des violents orages. Tout ça, ce sera des orages. Tout ça, c'est une poche orageuse. Tout ça également. Ici aussi, on aura des orages apparemment en Corse.
Ici, c'est la perturbation qui remonte, mais juste ici, voilà, les tout petites boules, là, ça, c'est l'orage qui se formera. Apparemment, oui, voilà, ici aussi, des orages en Espagne. Voilà. Donc, voilà. À 20h, nous aurons des orages ici, juste ici, qu'entreront dans le sud du golfe de Gascogne, donc juste ici, voilà, ça c'est des orages, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Ici également, nous aurons des orages qui remonteront. Ici, c'est la perturbation d'aujourd'hui qui repartira. Donc voilà, avec ici de l'orage. Également en Corse, un violent orage apparemment. Bon bah voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis bah après, voilà, donc c'est super. Bon, je vais pas vous montrer tout non plus. Bon bah voilà, donc à la prochaine vidéo. Au revoir.